Et salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure sur Days Gone. Et nous revoici dans notre incroyable épisode 6 de Days Gone. Il est fabuleux cet épisode. Évidemment, mettez en 2K 60 FPS, faites-vous plaisir. Mettez un casque ou des écouteurs, plongez-vous dans le noir, mettez un petit pouce en l'air, un petit commentaire, il y a tout qui fait plaisir en ce moment, c'est incroyable, ça vous prend 5 secondes, mais moi ça me remplit de bonheur pendant bien plus longtemps et pendant des heures. Donc, nous sommes repartis, c'était beau, c'était très poétique, mais c'était tellement sincère à la fois, nous sommes repartis dans notre aventure et... Ah bon, on avait un petit souci, bah oui, on avait un petit souci, on n'avait pas vraiment de quête qui se profilait à l'horizon, si on en avait une, on avait celle-ci qui était chasseur de primes, parler à Tuck pour sélectionner le job évidemment. On avait celle-ci qui était aussi une quête à la recherche de Léon. Scénario. J'ai bien envie de la faire. Comme ça, c'est fini. Je pense que ça serait... Ouais, je pense que ça serait le dernier truc au sujet de Léon. Honnêtement, je pense qu'après, on n'en entend plus parler. Ça me paraît pas mal. On va le faire. On va vider la zone. Parce qu'il me reste un nid. Et on pourra se TP là-haut. Et ça, c'est plutôt incroyable. Donc, c'est parti. On prend le bidon. Ici, Tucker. C'est moi, Tucker. Comme je te disais, ça fait un moment que j'ai pas vu Boozer dans le coin. T'es sûr qu'il va bien? Ici, Deacon. Boozer va bien, je te dis. Il est juste occupé. Sûrement à rouler pour son fils de pute, de J'ai comme l'impression que Boozer ne porte pas dans son cœur. Ah, cascade! Je l'ai dit, je suis pas un régulier. Terminé. Vous êtes très nombreux à m'avoir parlé du sniper hein, qui m'a pris en embuscade la dernière fois, n'est-ce pas? Je comprends. Ah, Boozer? Boozer, pourquoi t'es pas au pieu, bordel? Je vais faire une cascade. Hein. J'arrivais pas à dormir. Tu te souviens de ce que je t'ai dit? Vas-y, Boozer. Dans le tunnel. Oh. Va pas là-bas, Dick. Ça te fait perdre les pédales. Boozer, écoute, je vais là-bas juste parce qu'il y a des mutants, c'est tout. Que je les tue ici ou là-bas, la prime sera la même. C'est tout ce qui compte pour moi. Et Tulip, c'est pour les mutants aussi. Je les ai vus, Dick. Sur la table, ce matin. Les mêmes qu'à votre mariage. Je m'en souviens, tu sais. Je vais pas... Bon. Écoute, Boozer. Repose-toi, faut que j'y aille. Terminé. Et c'est pas des tulipes, Boozer, c'est du sédum. Rien à voir. Ok, il s'est passé beaucoup de choses d'un coup. Et ça, c'est plutôt incroyable. On a eu un appel de Bowser. Mais on va continuer évidemment notre mission. On a eu le job à faire. À mon avis, c'est ce job qui va nous permettre de continuer. Mais j'avais envie d'aller là-haut quand même. Ouais, j'ai envie d'aller là-haut. Allez, on y va. On y va. Donc, je sais plus ce que j'étais en train de vous dire. Incroyable. On a pimpé la moto, les gars. On a pimpé notre moto. Elle est devenue juste phénoménale. Et ça, c'est dingue. On ira se TP dans le camp aussi. On pourra se TP à côté. Normalement, c'est pas un problème. Et... Voilà, c'était l'embuscade et le sniper, vous étiez nombreux à dire « Mais B-Boy, pourquoi t'as pas pris le sniper MDR ? Mais t'es totalement dingue !» Je m'en bats les couilles, les frères. Non, vraiment, c'est pas... Les gars, là, on parle... C'est envahi de mutants, cousin. D'accord ? Donc, ta balle de sniper, c'est bien, elle va faire beaucoup de dégâts. Ok ? Mais après, tu te fais baiser le temps de tirer une autre balle de sniper. Clairement, je préfère la Kalash, les mecs. Moi, la Kalash, elle est chargée. Donc, c'est juste que ça ne m'intéressait pas d'aller le récupérer. Je fais ce que je veux ! Je vis mon aventure comme je veux. Et puis tout va bien, d'accord? Et puis vous inquiétez pas, on en croisera des snipers, c'est pas un problème. Des embuscades, je peux vous dire qu'il y en a et qu'il y en aura. Ne vous en faites pas, il n'y a aucun souci. Allez, on va passer par ici. Petit côté, un petit peu de cascade. Voilà. Et puis direction notre mission secondaire. Normalement, il ne devrait pas y avoir trop de soucis. Oh là là, c'est beau ça. On va essayer de brûler d'ailleurs le dernier nid, ça peut être très cool. Ça peut être très cool. Alors, les points d'interrogation, c'est des missions secondaires. Mais apparemment, t'as souvent de la merde là-haut. Et ça, c'est fort embêtant. Donc ça m'intéresse pas trop. C'est quoi ce dessin sur la main? C'est vrai, j'ai pas encore fini de brûler les nids restants. Eh bon, je vais m'en occuper. C'est bon, c'est bon. Par contre, pour le trouver, mon pote, ça va être chaud. Pour trouver le nid dans la zone, ça va être vraiment chaud, non? Ok, on va passer par là. Comment je vais pouvoir lui trouver ce... petit nid des familles là en vrai en y pensant. Je sais pas du tout. Hop, voilà. On va se garer ici. On enchaîne la quête. Peut-être qu'on l'aura plus tard. Oh, prends tous les jours. Un monument. Le soldat de la fourrure. Toujours quelqu'un qui tire ici, c'est terrible. Hein. Ça me fait toujours extrêmement peur.
Ok. À la recherche de Léon. Attends, tu vas faire quoi? Oh! Oh! Vas-y, hein! Oh! C'est bon, elle est morte, hein? Elle est morte, hein. Oh, elle a pris sa race. C'est pas très gentil de faire ça. Très bien. Désolé, j'ai paniqué. Bah ouais, mais ensuite, elle a roulé vers nous. Ah, brûler le cadavre! Oh, mais putain, sérieux, bah ouais. T'inquiète, Alvarez. Je vais pas te laisser en pâture aux mutants. T'inquiète, Alvarez, hein. Hop. Ça, c'est brûlé. Repose en paix. Ils pourront plus rien te faire maintenant. Elle a roulé avec nous, mission complete. Bah oui, mais putain, expliquez, les gars! Bon, j'ai brûlé. C'est bon, c'est fait. Apparence personnalisée, s'il vous plaît. Décoration perso à la recherche de Léon. C'est cool, ça débloque des décos. Ça, c'est pas mal, ça. Rendez-vous au mémorial de Sarah. Et par la même occasion... Regardez, regardez. Et ouais, mon pote. Et ouais, mon pote. Ça débloque un nouveau scénario. Je me souviens. Rendez-vous au mémorial de Sarah. Très, très bien. Bon, bah alors là, par contre, on va avoir de sacrés problèmes. Oh là là, il reste un truc à faire ici. Ok, on va le faire. On va le faire, bougez pas. Hop, voilà, petite cascade. Ça, c'est une micro-cascade. Hein. Il y a un nid quelque part ici. Me semble-t-il. Bougez pas. Ah, mais la zone est très grande. Détruisez les nids. Bah oui, mais la zone est très grande. Je vois pas du tout où ça peut être. Il y a un nid quelque part. Où peut-il bien être? T'as un problème, non? Ça va, frère? Ok. Attends que je descende, hein. La vie de ma mère. Hein. Voilà. Je sais pas ce qui t'arrive, frérot. Ah! Oh, ce réflexe. Il vous arrive quoi, les gars, là? Tout le monde a décidé d'être con? Ça va l'affaire. Tu m'entends? J'ai parlé à Al-Kaï l'autre jour, entre autres. Hop, c'est terminé. Je sais que tu bosses pour le camp. Je voulais simplement te remercier pour ton aide. Toi, tu vas bien me servir. Très bien! Je viens de me faire totalement agresser et entièrement gratuitement, ça c'est très chiant. C'est pas grave, on a de l'essence juste ici, aucun souci. Ouais, c'était pas gentil, hein. Ça me fait chier parce que je trouve pas la zone. Mais j'ai envie de la trouver. Donc vous savez quoi? On va tout simplement rire. Hop, attendez. Attends, hop, voilà, faut la lever. Très bien. Ensuite, on prend le bidon. On va tout simplement la rechercher. Et dès que je l'ai trouvée, eh ben, on se retrouve tout de suite. Allez, à tout de suite. Oh, à l'odeur, je dois plus être très loin. Allez, c'est bon, on a réussi à trouver la zone infectée. Eh, on va s'en occuper tout de suite, regardez bien. Regardez bien, tout est très rapide ici. Et je vais même... Voilà. Hop, regarde-moi ça. C'est cadeau. Voilà. Vas-y, lève-toi peut-être. Ah! Il s'est levé! Cascade! Vous êtes prêts? Oh putain, mais... Lâche... Cascade! Oh ouais, c'est l'arbre qui croque. Incroyable. Cascade! Ok. Cascade! Putain. Ah! Aïe! Mais wesh! Oh, mais c'est n'importe quoi, ça. Okay. Et ben voilà! Terrible. Une prime. Terrible, 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 terrible. Bon, c'est fait, ils étaient 4. Je suis dégoûté, ma grenade a tué qu'un seul gars. Ouais. Je vous avoue que j'ai un petit peu les boules, si je peux me permettre cette expression. Mais bon, c'est pas grave, c'est mieux que rien. Allez, hein, brûle-moi tout ça très rapidement. J'aimerais pouvoir rentrer là-dedans. On va fouiller, évidemment. Oh, je fais beaucoup de rimes, ça. Mais là, en ce moment, je sais pas, je me sens un petit peu artiste, tu vois. Ah, mais on a tous une période comme ça. Oh, les chiottes, c'est bon, on va pas les fouiller non plus. Hein. Ok, il y a que dalle. Que dalle, mis à part ceci. Quoique, attendez. Ben oui, c'est ça. Capacité max. C'est ça, voilà. Maintenant, je vais pouvoir les ramasser. En fait, si vous voulez, les résidus de nid me permettent de créer les carreaux spéciaux qui permettent de transformer les infectés en alliés. Hein, le temps, évidemment, d'un petit fight. Bon, vous avez compris. C'est parti. On se TP, on met de l'essence, on répare un petit peu la moto, elle est endommagée. Et on se retrouve directement près de la mission principale. A tout de suite tout le monde. Ça sert à rien évidemment que vous regardiez ça.
C'est reparti. Parce que c'est une perte de temps, tout simplement. A tout de suite. Ok, les gars, on va reprendre ici. J'ai retraversé le tunnel. Il m'a fallu de la route. On va aller chercher de l'essence pas très loin. C'est sur la route. Aucun souci. Et on va pouvoir... Oh, mon Dieu, repartir. J'ai eu quelques emmerdes. J'ai encore dû utiliser un soin. Là, je vous cache pas que ça commence à devenir très compliqué. Là, ça commence à être compliqué niveau soin. Je pensais vraiment en avoir beaucoup. Mais pas du tout. Faut que je prenne de l'essence. Quoi ? Ok. Attends. Des maraudeurs, génial. Vous m'attendiez, c'est ça ? Là. On a une victime. Ah ! Hop, alors ? Je suis touché ! Ok. Voilà, on y est. Suivant. Voilà. Un autre problème, peut-être ? C'est bon, on est ok là ou pas tout le monde? J'aimerais savoir en fait. Y'a plus d'embrouille, plus de litige? C'est pas trop tôt, hein, saloperie. Non mais y'a encore quelqu'un, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il y a, Tristan? Ouais, mais y'a encore quelqu'un. Ah, tu me connais? Une petite gonzesse comme moi? Comment c'est possible? Fais-toi. Voilà, ferme-la. Non, je suis désolé, mais là, bon, personne te comprend. Personne te comprend, ma soeur. Hop, voilà, t'ouvres ta gueule, mais hein, t'es personne ici, hein. L'oublie jamais. Bon, bonne chose de faite, très bien. On s'est fait, on a failli se faire braquer juste pour l'essence, c'était terrible. T'en avais bien besoin. Voilà, on va régaler la moto, on va la réparer et on est reparti. On se fait agresser, c'est très agressif. Hein. Ah ben la région en ce moment est très agressive. On va aller voir ce qui s'est passé au sujet de Sarah. Non, attends. Hop, hop, voilà. Hop, non, non. Hop. Putain, c'est terrible. Voilà, on va réparer la moto par la même occasion. Et voilà, on est beau, regardez. Hop, on est reparti. Aucun souci, on a réussi à prendre de l'essence au calme. J'espère qu'ils vont pas revenir à chaque fois, sinon ça serait très embêtant. Allez, on y va. Direction la suite de notre aventure avec cette fois-ci une mission principale plus qu'intéressante. Étant donné qu'on va un petit peu savoir ce qui s'est passé au sujet de ma femme. Attends, encore un shape. Les gars, sérieux, il y a des maraudeurs partout, c'est terrible. Hop, un petit raccourci, les gars. Alors, attention, ça peut partir en cascade très, très vite par ici. Vous le savez, on va passer à côté de, justement, du camp de Tucker. Mais on va pas prendre la mission. En tout cas, pas maintenant. Je veux savoir ce qui s'est passé au sujet de ma femme, histoire qu'on avance nous-mêmes sur l'aventure principale. Faut pas exagérer. Hop, voilà. Petit raccourci, les gars. Ça reste entre vous et moi. Je connais bien la région. Ah, ça manque un petit peu. J'ai toujours pas de nitro. Ah, il va falloir quand même faire les quêtes de camp histoire d'avoir un peu de nitro, tu vois. Histoire de se procurer du plaisir. Oh, voilà, hein. Bah il est mort, hein. Trop tard. Ah bah trop tard. J'ai mis du temps à réagir. Ok, on va passer par ici. Très bien. On va aller tout droit, hein. On se fait des petits plaisirs. Un peu d'orpi, ça ne tue pas. Et ça a jamais tué personne. Ah, on va passer par ici. Bah il est où là encore, les gars, là, cette mission? Je sais que j'ai beaucoup de cascades! Beaucoup de points de compétences! À ma tribu, on va le faire juste devant la mission! Attends, c'est terrible, c'est incroyablement loin! Ok, très bien. C'est littéralement à l'autre bout de la map. Hop! Voilà, j'ai fait mourir une trentaine de fois. Ok, on va. C'est pas. Faut pas tirer comme ça, les gars. Ok. Il y avait une armée là, c'était terrible. Bon! On y est bientôt, on va se mettre les points de compétence juste devant. Zone de nidification. Il faut que je la détruise. Il faut que je nettoie la zone des grouilleurs. Ah. Allez. On va nettoyer. Ah, matériaux requis. Ok, on va récupérer une petite grenade. Hop, ça dégage, hein. Quelqu'un d'autre ? Ni détruit. Quelqu'un d'autre ou pas? Vous me dites, les gars. Ok. C'est pas mal, cette petite technique australienne. Je l'ai appris chez les plus grands. C'est pas mal du tout. Par contre, j'ai plus de heal. Ça va devenir compliqué. Alors peut-être que j'en achète dans un camp. Allez, faut brûler. Hein. Faut brûler, je veux voir ce qu'il y a dedans. Ah, je suis comme un gamin à Noël. Hein. On va s'équiper avant. Point de compétence! Incroyable, j'ai 2 points de compétence. C'est totalement dingue. D'accord. Tir concentré, je l'ai déjà.
améliore votre précision quand vous visez avec une arme à projectile en vous déplaçant. Capacité à enchaîner une attaque de mêlée avec une attaque à distance pour des dégâts importants. Putain, ça a l'air pas mal. Allez, on va prendre ça. Cycle vicieux. Normalement, je vais pouvoir devenir une véritable machine. Appuyez sur R2 pour lancer une attaque de mêlée. Maintenez L2 et appuyez sur R2 pour effectuer une attaque à distance. Mais c'est tellement stylé en vrai. Niveau de compétence 2. Ça, c'est cool. Et là, qu'est-ce qu'on a? Pendant la concentration, les armes à projectiles disposent d'une puissance accrue, ce qui leur permet d'arrêter plus facilement les ennemis faibles, réduit le temps de régénération de la concentration, augmente la récupération initiale et la durée du cocktail de concentration. Ça, ça me paraît pas mal. Hop, j'insta-buy mon... Très bien, il nous reste combien de points? Maintenez L2 et appuyez sur R3 pour activer la concentration. Ok, ça je connais. Et elle se régénère maintenant bien plus vite. Très bien. Plus de points compétents, j'en avais que deux. Ça, ça a toujours pas brûlé, ça, les gars? Ah, il y a une branche qui est tombée. Une deuxième, troisième. Non, mais les gars, les frères. Je vais rentrer là-dedans quand c'est en feu. Hein. Oh! Oh, c'est tous les cadavres. Ah, oh, je suis désolé. Oh, la régalade. Ok, trois oreilles. On continue. On continue, parce qu'on est toujours pas à notre mission. Un petit peu décevant. Je... Voilà, on va pas se cacher. Ici, on se cache rien. Là, on a quelque chose. Oh! Eh, un petit bidon d'essence. Une fourgonnette de flic. Peut être intéressant aussi. Je sais pas vous, mais moi j'aime bien juste me balader. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Je trouve ça assez kiffant en vrai. Ça doit le faire. Donc j'espère que vous aussi vous aimez, même si on... C'est vrai qu'on fait pas grand chose finalement quand on se balade. Mais c'est là le projet. Il y a quoi dans le coffre? Des petites mines de pistolet, ça me ferait plaisir la famille. Oh! Mune de pistolet, nickel. Ce que je veux, je l'ai. Et ça, c'est bon. On a une grotte là-haut. Peut-être qu'on ira un petit peu plus tard. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Oh oui! Bandage, mon pote. Alors ça, par contre, c'est vraiment un kiff. Parce que je commençais à être un peu ric-rac. Ok. Y a rien de tel que la ferraille. Oh, oh oui, je suis d'accord avec... Là, sur le coup, je suis d'accord avec toi. Je pensais être super bien, mais j'étais pas si bien que ça. En vrai, parfois, tu vois, il faut prendre son temps. Il faut kiffer la life. Détruisez les nuits, on va s'en occuper les gars, on va s'en occuper. Pas de soucis. Normalement ça sera sur la route, j'espère. Peut-être ici d'ailleurs, non? Il est ce putain de nez. Il doit pas être loin. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Regardez bien, regardez bien, regardez bien. Il est là le nid. Il est là, il est beau, c'est un nid de haute couture. Ok. Ah, là, par contre, ok. Ok. Hop. Voilà. Là, c'est du 2v2, mon pote. Allez, vas-y. Ouais. Vas-y, vas-y. Amélie, une patate, Jean-Claude. Ouh, double patate, mais c'est la mienne, Caproc. Oh là là, ça se met des patates exactement en même temps. Hop, monsieur. Hop, monsieur. Hop, monsieur. Monsieur. Voilà, faut mourir. Je suis désolé. Je suis désolé, t'as bossé avec moi, ça m'a suffi. Pas besoin de plus. C'est très très bien. On s'en est très bien sorti. Je suis fier de vous, je suis fier de moi. Allez, on va fouiller maintenant. Ok, les résidus encore. Y a pas de... De mune de calache. C'était pas mal, hein, cette petite astuce, hein. On fera ça plus souvent, vous inquiétez pas. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, un beau chiffon. Pour une bonne chiffonnade. Très bien, on continue. Allez, direction la moto. Le jeu, toujours aussi impressionnant, évidemment. C'est vraiment toujours un régal. Ok. Bonjour. C'est bien, ça sert à rien de s'affronter. J'espère qu'ils vont pas me suivre longtemps. Non, ça devrait être bon déjà. Oh, c'est inquiétant par contre s'il y a déjà du monde par ici. Plus tard pour finir de brûler les nids. Ok, il reste un nid donc. Il reste un nid derrière. Très bien. Zone du Nero. Aïe. C'est encore là. Combien d'années il faudra pour que tout ça disparaisse enfin? Génial, le camp de réfugiés. Tu vas. Vous en seriez mieux sortis dans le No Man's Land. Okay. Le Nero vous a laissé dans la merde. La mission est ici. Ok, c'est pas mal, je prends.
Je prends. Je suis friand de voir ce qu'on va trouver là-haut. Je préfère laisser la moto en bas. Je me suis trop fait piéger à avancer. Oh putain, une machette, sa mère. Vous avez entendu? Ok. Il y a des haut-parleurs partout. Non, je le sentais pas. Je le sentais pas. Ai-je stressé totalement? Très bien. Ok. Je suis désolé, je peux pas parler et me... C'est tellement ouf. Il y a vraiment du monde partout. Attends, mais c'est pas ici ma maison? Si, la mission est là en plus. Ok. Très bien. J'ai peur. Ça a l'air assez insane ce truc, hein. Ok, il fait diversion le mec. Je suis vraiment pas bien là. Oh la vache. Oh la vache, il se passe beaucoup de choses. Ok. Voilà, embrouillez-vous hein, les gars, hein. Moi vous ne connaissez pas. Oh, il se passe tellement de choses en vrai. Ok, je pense qu'il faut passer par ici. Ok. On va reprendre encore les carreaux à résidus. Voilà. On va passer en carreaux classiques. Voilà, mets-lui des petites patates. Oh merde, c'était un pote. Je suis désolé, gros. Merde. Putain, je suis vraiment nul. Ah ouais, putain, je peux pas aider un pote. Je suis désolé. Ok. Bon. J'ai été rincé de ouf. Ok. Nettoyer le camp des mutants. Ah. On va peut-être fouiller ici, on sait jamais. Ouais, très bien, y'a rien. Bon. Bah vous savez quoi, on va prendre carreaux à résidus. Hop, voilà, on fabrique du cocktail. C'est là qu'il va falloir nettoyer. Ils sont 9. C'est un nombre énorme et impressionnant. J'ai plus de quoi en fabriquer. Ok. Un sur 9 de mort.
Là, on a un bandage. Non, mais attends, putain, les gars, vous avez pas compris du jeu. Hop, allez, hein, ça dégage. Combien? J'ai peur. Voilà. Un en moins. Matin. Voilà. Pas mal. Bah, je suis juste un monstre en fait. Ok, là j'ai une galerie là-haut. Hein. Oh là là. Oh là là. Bon, par contre, c'est un peu chiant parce que quand on a deux, ils s'attaquent un peu entre eux. Ah, ils sont un peu boubours, hein. Pas trop leur en demander. Plus que deux. Plus que deux, je ramasse toutes les oreilles. Voilà. Vache. Ça dégage. C'était le dernier. Bon! Incroyable! Je commence à bien kiffer. Salut, chérie. Ouais, j'ai... J'ai fait le ménage. Ils viendront plus t'embêter, maintenant. Ah... Salut. Cool. C'est encore moi. Revenir et je t'ai pas écouté. Enfin, je savais que ce serait le bazar, mais... On pouvait pas prévoir que ça partirait en vrille comme ça. Attends, aussi vite. Tu comprends pas. Je sais pas ce que je ferais si je te perdais. Tout ça, c'est ma faute. Hey. Personne va perdre personne. Quoi? Quelle est cette sombrerie? Non, vous déconnez, les gars. Oh là là, je sais pas ce qu'on va... J'ai pas save du tout de la game. J'ai pas save... Du tout de la game. J'espère que c'est une blague. Ah! Oh putain de merde! Merci! Merci d'avoir save! Oh, c'est incroyable, c'est le plus beau jour de ma vie! C'est totalement fou ce qui vient de se passer. Ok, allez. Oh, les primes. C'est pas grave, c'est pas grave. Je suis à la fois soulagé et à la fois j'ai envie de save, mais je peux pas, donc allez, c'est pas grave, là on y croit. Là, cette fois-ci, c'est la bonne. Bon, on se refait la cinématique. En plus, elle allait nous dévoiler un truc incroyable. C'est dommage de passer à côté tout de même. Salut, c'est encore moi. Oui, bah oui, c'est encore toi. On est déjà venu. Ça fait deux fois en trois minutes. Que je te dise un truc. Hey, c'est rien, c'est juste moi. Tu m'as dit qu'on ne ferait pas revenir, et je t'ai pas écouté. Enfin, je savais que ce serait le bazar, mais... On pouvait pas prévoir que ça partirait en vrille comme ça. Attends, aussi vite. Tu comprends pas. Je sais pas ce que je ferais si je te perdais. Tout ça, c'est ma faute. Hey, personne va perdre personne. Je t'ai fait une promesse, tu te souviens? Ouais. Deacon, attends. Sarah, viens. Il y a une gosse, là. Attends. Hey. Eh, hey, ça va? Allez, viens, on va retrouver tes parents, d'accord? C'est vraiment ton miaille. Allez. Pour le monde. C'est pas vrai. C'est grave. Je sais pas, non, je pense pas. Bordel. Bon, alors, appuie ici aussi fort que tu peux. Tu peux courir? Je crois pas, non, mais je pourrais marcher. Ça fera l'affaire. On est vrais. Ah, d'accord. Allez. Il y a deux heures, ça grouillait de fédéraux. Ils ont dû évacuer. Ouais, ils ont dû mettre les voiles. Elle est brûlante. Merde, la lame a dû toucher le rein ou un truc comme ça. Elle fait une septicémie. Comment tu te sens, petite sœur? J'étais bête. C'était une gosse. Juste une gosse. C'était juste une gosse. Avec un grand couteau. Hé, hey, aide-moi. Allez. Mm-hmm. Ok, viens. Merde. Encore une fois. Ouvre le filet avant qu'ils arrivent. Faut qu'on monte sur le toit pour faire signe à ces hélicos. Mais je m'en occupe.
Là, essaie de te reposer là-bas. Là. Doucement, doucement. Elle me rappelait beaucoup, ma petite sœur, tu comprends? On passait notre temps à jouer à cache-cache ensemble. Souvent, elle rentrait sa tête dans son manteau pour se cacher comme ça. Je me suis déjà fait planter, mais là, c'est grave. Elle est brûlante. Putain, regarde-moi ça. Faut qu'on bouge. Là, ça passe pas. Ok. D'accord. Hé, tu peux marcher ma puce? Oui. 12 heures. Ouais, je viens. Trouve-nous une sortie. Écoutez-moi, écoutez-moi. Ma femme s'est pris un coup de couteau. On veut juste accéder au toit. Sortez! Un hélico. Vous l'avez tué! Écoutez, vous avez tué ma femme! Oh non, 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 écoutez, je sais rien au sujet du meurtre de votre femme et je suis vraiment désolé, mais on n'a rien fait du tout. Vous avez tué ma femme! Vous avez tué ma femme! Merde! Vous l'avez tué! Vous l'avez tué! Aidez-nous, elle est blessée. Qu'est-ce qu'elle a? Elle a pas le truc qui touche les autres. C'est un coup de couteau. Je peux plus prendre personne. Ok, écoutez, O'Brien. Si on la conduit pas à l'hôpital, elle va y rester. Il n'y a plus aucun hôpital. Comment ça, plus d'hôpital? Vous avez des docteurs, un tri des blessés, des militaires. Écoutez, je suis en dernière année, ok? Je me suis porté volontaire, je suis même pas censé être là. Brian. Ok, merde. Je peux prendre que deux personnes, ok? Deux. Quoi? Vous avez de la place que pour deux? On est en surcharge, ok? Je peux en embarquer que deux, c'est tout. Ok. Allez, aidez-moi, allez! Ma chérie, ça va aller. Tu vas t'en tirer. Je m'en occupe. Je reviens tout de suite. Ok, Boozer, on y va, faut qu'on t'embarque. Faut qu'on monte dans le grand Dulga. Ils ont de la place que pour deux à bord. Alors vas-y. Va avec elle. Je vais m'en tirer. T'inquiète, j'en ai vu d'autres, pas vrai? Hein? Ouais, c'est vrai. Vous allez où, là? Quoi? Vous allez où? Au camp de réfugiés Swiftfinger Jack, à l'ouest. Boozer s'en sortira pas si je pars avec vous. Les appels reviennent. Vous venez? On décolle. Non. Voilà un moment fort intéressant. On va s'arrêter là. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire.
Je vais évidemment sauvegarder. On a eu très très chaud. Je peux vous dire, vous avez eu très très chaud. Parce que ça allait m'énerver cette histoire. N'oubliez pas de j'aimer le commentaire. J'espère cet épisode vous a plu. A très bientôt pour la suite de notre aventure. Ciao ciao. Tu... Sois tranquille, d'accord. Je reviendrai te voir et... Je sais, tu préférerais que je vienne plus, mais... Faut croire que Boozer a raison, Je peux pas m'en empêcher. Comme je t'ai dit, je reviendrai. Boozer, un autre hélico du Nero. Qu'est-ce qui trafique ?